Salut tout le monde, bienvenue chez I Am Here. Cette semaine, premièrement, j'aimerais que vous me disiez c'est quoi votre repas préféré. Et deuxièmement, on va jouer à Hiding Spot aujourd'hui. C'est un jeu de cachette pour ceux qui aiment se cacher. Ah, un bon jeu à l'ancienne ou CWSD. Les niveaux, c'est des chambres d'hôtel comme ça, je pense. Ça a de l'air. On peut tirer des choses. Ok, c'est un puzzle. Je pensais que c'était un jeu un peu horreur. Comme ça, je suis caché. Mais faut qu'on fasse quoi? Faut qu'on attende? Ou est-ce que je suis pas caché? Ah! Il faut que je me cache bien. Ok. Est-ce qu'il y a beaucoup de niveaux? On va aller voir. On va aller visiter l'appartement. À quoi ça ressemble? Il y a au moins une couple d'étages. Il y a même un ascenseur. On va aller directement dedans. Ah! Ah, il y a 10 étages. On va commencer par la fin. Comme pour le dessert. Je peux déplacer ça? Non. Est-ce que je peux déplacer ça? Wouh! Bon, ok, pardon. Ah! Oh! Ok, il est sur ma tête. Cool. Une chance qu'on a une force herculéenne. Ah, je crois que je comprends. Bon, on met ça comme ça, on ferme le tiroir, on va... Ah! On peut pas monter sur les objets? Il y a d'autres boutons? Ah, il faut que je fasse ça comme ça. Faut que je me cache, mais je peux pas juste m'emmurer de choses. Mais personnellement, s'il fallait que je me cache. Je ferais ça comme ça. Je ferais ça comme ça ici. Je dirais que je suis caché, non? C'est pas une bonne cachette? Ok, peut-être que si je fais ça comme ça, que je retire la chaise dessous, ça va être un peu mieux. Non. Comme ça, je suis pas caché? Je trouve que je suis bien caché. On se cache de quoi, en fait? On se cache de nos erreurs passées? Tiens, on va commencer par le début. On va speedrunner la cachette. Chambre 102. Je pense que je comprends. Le prêt. Les règles pour être caché, je crois. C'est ça. Ah ah! Il faut avoir quelque chose au-dessus de soi. Il faut avoir quelque chose devant soi. Même si dans la vraie vie, c'est un petit peu différent. Ok, c'est les seuls trucs que j'ai. Comme ça, je peux cacher. Comme ça, je peux cacher. Ah ah! Même s'il n'y a pas de mur, c'est pas grave. Parfait. Eh bon, on comprend les règles. Qu'est-ce que ça dit? Ah, ben on comprend finalement. Est-ce que c'est vraiment ça être caché? Est-ce qu'on peut fuir quoi que ce soit avec ça? Ah, ben il faut que je passe faire le pont, c'est ça? Il semblerait. Un jeu pour les gros cerveaux en somme. Ah ah! Quelle ambiance que c'est incroyable. Pourquoi est-ce qu'on a deux étages? Oh, on va aller se cacher dans le coin là. Oh non, j'ai fait tomber. Oh non, je l'ai fait tomber deux fois. Tant que c'est pas fragile, tant que c'est pas mamie qui est dans ça. Comme ça, je peux cacher? Ah! Non! Mamie, pourquoi t'es tombée? Il faut que je sois simplement emmuré de chaque côté. Je peux pas faire ça comme ça. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que j'ai pas assez mangé pour ça. Ah! C'était donc ça. Je sais pas si j'arrive vraiment à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le jeu. C'est juste de la chance un peu pour elle. Ok, ça j'imagine qu'il faut que je fasse glisser ça ici, comme ça. Il faut falloir que je le fasse tomber. Ok, une chance. Une fois que ça c'est fait, où est-ce que je m'en veux?
Ok, c'est bon. Je pense que je comprends un peu le principe. On a fait le premier étage, tabarouette. Ça va si vite. Finalement, un immeuble de 9 étages où il faut se cacher, c'est pas si mal. Ok. Donc ça, je peux pas le déplacer. Mais je peux devoir déplacer le bureau, c'est ça? Ah ah ah! Ah ah ah! Je peux le déplacer pendant que je suis en dessous. Ah ah! Tchou-tchou! Je conduis la petite voiture bureau. Tiens, on est caché dans le coin. Bon, on apprend les règles. Qu'est-ce que je suis censé faire? Est-ce que je peux la pousser? Non. Je peux la tirer vers moi. Je peux cacher? Comme ça, je peux cacher non plus. Ok. C'était pas ce qu'il fallait que je fasse. Ah, il faut que je la place derrière. Ok. C'est bon, on est en situation d'apprentissage, il n'y a pas de problème. Comme ça, voilà. N'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils pour vous cacher, vraiment m'envoyer un SMS. Chouchou! Je suis content d'être dans ce coin-là, mais à quoi ça sert? J'imagine qu'il faut que je déplace la boîte. Est-ce qu'il faudrait pas que je la mette sous le bureau? Ah, c'est trop compliqué pour moi. Des plats pour avoir du Midelan. Ah, je peux peut-être. Non, je peux pas la soulever. Non, c'est ça. Il y a une tête immensément forte, mais pas les bras qui viennent avec. Ah. Ça va peut-être aider, ça. Où est-ce qu'on peut aller comme ça? Ah! Pratique. Ça compte pas? Non. Ah, je suis caché! Ah, oh, parfait! C'est pas exactement ce que je voulais faire, mais c'est encore mieux comme ça. Comme quoi, le hasard, des fois, fait bien les choses. On va commencer par faire un immense mess. Coincer ça là. Tiens. Comme ça, je peux plus aller sur le bureau, puis je peux plus le relever non plus. C'est ça. Ouais, ok, c'est bon, on va revenir en arrière. C'est encore plus haut comme ça, par exemple. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Vraisemblablement que je me sens dans le coin là, je pense. C'est ça, hein? Comme qu'on peut pas tout avoir. Qu'est-ce que je suis censé faire à partir d'ici? On va le reculer. Comme ça, c'est beau. Comme ça, c'est le fun. Oh non, je me suis coincé là. Ah! Ah ah! Très bien. C'est bon. On a déjà deux étages. Pour vrai, c'est un bon petit jeu de fun. Un bon petit jeu de cachette, là, à l'ancienne. Comme tu fais avec tes amis, là, tu déplaces tout. Tu déplaces les classeurs, tu déplaces les cercueils qui traînent. Tu déplaces tout, tout, tout. Ah! Ah ah! C'est pour nous préparer mentalement à quoi, par exemple? De quoi on se cache comme ça? Il me faut du lore. Il me faut une histoire. Bon, clairement, je peux pas amener ça là-bas, je crois. Des beaux classeurs de couleurs comme on n'en fait plus. Il va tomber si jamais là. La dernière étape, c'est ça. On va mettre le classeur juste ici. On le recule comme ça. On s'installe. Ah, et voilà. Ah, le confort que ça fait. Honnêtement, c'est un jeu que j'ai attrapé comme ça au vol. Oh. Oh, je vois. Je vois pas, non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, j'adore, par exemple. Ah oui, c'est exactement l'endroit où je voulais être. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Est-ce que ça marche? Je fais juste ça en fait. C'était aussi simple que ça! Parfait. Mais quand c'est trop à la tête, mais en vrai, on va en faire un de plus. En bonus.
seule chose que je peux faire avec le classeur, c'est le reculer. Le cercueil, on le fait tomber. C'est pas ce qu'on veut. Qui veut dire que la différence est au tout début. Problème, faut que je tire ça. Non, c'est ce que j'ai fait tantôt. Ok. Ah non, ça fonctionne. On se tasse. C'était 5 ça ici. Mais oui. Des fois, les choses les plus simples sont dans notre visage. On pourrait juste s'enterrer de journaux si c'était juste si simple dans la vraie vie. En tout cas, j'ai des conseils comme ça. Pas obligé de m'écouter. L'enfer. Pourquoi ça tire pas les doigts en même temps? Oh, est-ce que ça fonctionnerait pas ça par hasard? Non, j'ai le même problème, ça pouvait pousser les deux. Pas drôle, le troisième étage. On va recommencer depuis le début, on se donne une petite chance. On se tire une fois. C'est quoi en plus comme personnage qui est pas capable de lever une petite caisse comme ça, là, mais qui est capable de se lever sur sa tête? Pas une histoire. Oh my god, c'était juste ça. Oh non! J'ai passé littéralement 45 minutes dessus. Oh, je suis bête! Oh my god, mais ça c'est signe qu'il faut que j'arrête à mi-chemin avant le dernier étage. De toute façon, je comprendrai pas l'énigme du frigo si j'ai de la misère à l'énigme des petits trucs. En même temps, je trouvais ça le fun, des petits fauteuils comme ça, des petits... C'est ça. L'enfer pour vrai. Oh non, je me sens maintenant malheureux. Mais c'est tout ce qu'on avait pour aujourd'hui. On est rendu à la chambre 404. Fun non trouvé, seulement du malheur. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie d'avoir été là. Puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye.